tranquille. Allez, attention, c'est parti avec Maxis. Maxis, tu veux la coupe de ça, il va faire un sourire. Oh, bien, on va se laisser faire, regarde. Voilà, le couteau entre les dents, du coup, là. Allez, Jakub Kubicek peut-être à l'intérieur là sur Erling Grensis dans la remontée. Attention, oui. L'approche du saut. Bernd Stube, mesdames et messieurs, Jakub Kubicek. Ah, il le savait qu'il n'avait pas le choix là. Il fallait qu'il vienne chercher les gros points. Et on a, ouais, on est une belle délégation de pilotes français là aussi. Hein. J'ai aperçu notamment notre copain Franck Vuliou, le pilote au Savoyard, Geoffrey Lejeunet, Jean-Michel Espinasse, Christian Beuet. Le premier du moteur Volvo dans la descente. Hein. Le moteur Ford V6 pour Jakub Kubicek. Le moteur Ford 2 litres 5 pour Erling Grensis. Alors que Patoche là va rentrer derrière le tracteur. Le moteur préparé par Lemming chez Bernd Stube et chez Sommer Motorsport pour Jakub Kubicek et Erling Grensis. On apprend Geoffrey Lejeune là qui rentre au ralenti. Ah, il s'était pourtant mis bien en évidence hier, hein, il avait vraiment fait une belle manche qualificative, donc c'était vraiment important pour lui. Et pour toute cette équipe, ça donne un gros problème là. Allez Bernd Stube, sans problème. Et puis à mon avis, il n'a pas de frappe fort au niveau du temps chrono, 41-03. Ça va même continuer de descendre dessous. Hein. Geoffrey Lejeune qui rentre aux couleurs de Nordique de Forage, bien évidemment, la société familiale. Et pendant ce temps, bien derrière, Bernd Stube, c'est en train de s'expliquer là. Et oui, on est en train de regarder un petit peu le cas de Kirill Ivanikov qui. Ah oui, là, le chef de l'équipe, qui vient de voir les gens qui viennent d'Espinasse. Voilà. C'est le furieux, c'est russe. Hein. Même pas mal. Comme quoi. Allez, Christian B, passe devant nous maintenant. Hier, 7e position, Christian. Et quand Bernd Stube va repasser devant nous, ce sera déjà son dernier tour. Francky Vidiou, ça pas terrible. Hein. Les Hauts Savoyards, le champ de pas construit, parce que là, tous les deux, ils ont été largement débordés. On n'est pas habitué vraiment à tout ça. Voilà, attention Jean-Michel Desmilas, la main qui fait un petit peu tomber. Voilà, Francky Vidiou, la première qui est pour sa 5e place contre son papa. Toujours ensemble, hein, tous les deux, toujours le chapeau de paille vissé sur la tête. Un GPS vivant, ce Francky Vidiou. Impressionnant. Et la victoire pour Bernd Stube, encore et toujours Bernd Stube. Bon, c'était le temps, hein. Pour Jakub Kubicek. Allez, on va essayer d'aller interviewer Jakub Kubicek. Kirill Ivanikov qui termine à la 4e.